Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Pérouse, on est l'épisode de Fallout 4. Donc on va rentrer dans ce bâtiment, chers amis. On y va, le Shamrock, c'est là qu'on a une quête à faire. Qui est de récupérer la machine à bière. Ouh, la machine à bière. Alors, allons-y. Déjà, je vois qu'il y a un piège à bruit. Désamorcer. Ah, on peut les désamorcer, c'est intéressant. Donc, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un parce que le cachet bouge. Et parce qu'il fait du bruit. Qui est là? Yo amigo! Tu n'as rien vu, rien entendu. J'ai dû prendre un mauvais coup. Oui. Oui, on va dire ça. Je dois devenir dingue. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. C'était une grenade qui a mal tourné. Faut être vraiment là, je pense. Où il est passé, ce connard? Recharge, vas-y, profites-en. Tu vas crever, t'entends? Grenade! Lâche-moi! Rien nu. La salope! Ou le salaud? J'ai pas trop regardé, j'ai pas eu le temps de regarder à vrai dire. On bouffait du crâne. Et puis on va bouffer un bout de viande de chien, de tic. C'est pas grave, et on va prendre un rat de whey aussi, parce qu'on en a un paquet. Et une petite brochette d'écureuil. T'en as pas marre. Lâche-moi! Oh merde! Ah, j'y vois plus rien! Ah, hop, il a pas lu la tête. On perd du monde, il est con. Non, tu crois. T'es rien, rien du tout. J'ai pas fait gaffe, moi, blague-moi-y. Blague-moi-y. Tiens, je l'ai pas encore essayé. Hop là. Deuxième. Tombe bien. What? Il se soigne? Prends-toi. Par petite rafale! Voilà, niveau 21, chers amis. Frein de bouche, pistolet de fortune, arme automatique, capsule, cartouche, cartouche, cartouche. Kenigou, tu as trop à te remettre ou pas? C'est pas le moment de rester couché. Tu vois ce que je veux dire. Cache thoracique avec bassin, je sais pas pourquoi il nous les propose en fait. Argent d'avant-guerre, hop. Alors, je vais te prendre la clé mix. Et le coffre. Un tournevis. Ils essayent de déverrouiller le tournevis, le coffre coûte tournevis. Tu m'étonnes, un expert. Aïe. Bon. Où est cette fichue machine à bière? Oh. Qu'elle est là-dedans? Jolie. Apparemment, elle est pas là-dedans. Ouais, je transporte autre chose pour courir. Heureusement, Kanigou est là. Échanger. Ah oui, il a le junk jet sur lui, ce con. Je vais te donner quelques petites armes. Ça, déjà. Et ça. Non, ça, il faudra que je fasse la différence entre le mien et le sien. Ok. 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 Ok.
Ok, déjà tout ça, ça me fait un petit peu de place. Ça, on verra pour le reste. Hop. Scotch. Clé du Shamrock, pourquoi pas. Me dis pas que c'était la clé qui était avec le... Ça serait tellement génial. Il y a eu un drôle de bruit ou c'est moi? J'ai cru entendre un drôle de bruit. Alors. Boîte de munitions, Radaway, couteau de combat, boule de billard blanche. Elle, je l'ai battue. Les boules de billard, les différentes boules de billard. Oui, je l'ai vu, le pauvre bonhomme qui était là. On dirait le héros. Le héros de base, il ressemble à ça. Plus ou moins. On vérifie tout partout. Je crois que j'ai pas de queue de billard encore. J'en ai pas encore eu, du coup je vais la prendre et on ira la voir ce qu'on peut modifier dessus. Ah ah. Intéressant par là. Hop. Plaque chauffante. Truc bizarre. Deux coca. Trois coca. Que des vieilles bouteilles qui secouent, qui secouent, qui secouent. Hop. Un vieil appareil photo. Un globe antique. Ok, par là il y a quoi? Oh, oh. Génial! Donc je sais que c'est pas par là la quête, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que je profite de tout le bâtiment. Enfin, j'essaye en tout cas. Hop, parfait. Voilà! Problème résolu! Pour haricot, j'aime bien ça. Non, c'est. Enfin, je suis pas. Doit pas être mauvais. De toute façon, tout ce qui est en conserve habituellement, c'est jamais génial non plus. Hein. D'accord, ça mène là. Dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça a le mérite d'être clair. Putain! Je crois que j'ai désamorcé à temps. Ouh, nom de Dieu, deuxième. Oh les salauds. Il va y avoir des trucs à faire avec tout ça. Et vu qu'on a un... Oh putain. Qui sont cons. Des malades mentaux. Hop. Un cocktail Molotov. On a des ifs qui part à vitesse grand V par contre. Syringer ammo. Ouais, exact. Donc en fait, je peux plutôt que les faire une par une, je peux les faire 10 par 10 en fait. C'est simplement ça. Ça va avec le mode que je vous expliquais déjà plus tôt. Drogue. Ok. Steampack, je peux en faire un, tiens. Ok, c'est toujours bon. Toujours ça de prix. Hop. Niveau poids, on est toujours pas bon. Kanigou, tu es... Ouh. Là, tu es là. Viens voir, s'il te plaît. Kanigou, viens voir. Hey. Viens là. Par ici. Hop. Tiens, Kanigou, tu vas prendre ma merde, s'il te plaît. Hop. Oh oui, avec plaisir. Tout ce que je bouffe pas habituellement. Les deux Stealth Boys parce que j'utilise pas ça. Utiliser un Stealth Boy c'est un peu stupide parce que bon je trouve que... Enfin, pour moi ça pourrit un petit peu le jeu parce que quand une fois que t'es repéré quoi. Point barre. Donc là c'est la sortie, ok.
Ok, ça donne accès à toutes ces portes là. Ah oui, c'est vrai, j'ai un nouveau niveau. On va aller le mettre. Il me semble que niveau 21, je peux rajouter un truc là-dedans. Voilà, pirater les trucs du niveau maître. On y va. C'est parti. Bon, alors là, oui, d'accord. Là, on redescend, et là, c'était par là. Bécher. Putain! Crevez tous! Putain de saloperie! De bestioles de merde. Je déteste qu'on me surprenne. Ah, la machine à bière, c'est un protectron. Excellent. J'adore. Que voulez-vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Terminal de Patrick. Terminal de Patrick, allons lire ça. Hop. Alors, joint d'étanchéité. Nom de Dieu, c'est la troisième série de joints d'étanchéité qu'il lâche cette semaine. Tout le bordel s'est encore rempli d'eau de brassage. Pour le premier lot, ça se passe toujours nickel, mais s'il faut ouvrir le châssis tous les deux jours pour remplacer les joints, personne ne voudra acheter ce truc. Je me demande si les cultures retiennent plus de chaleur à cause du processus de fermentation éclair. C'est peut-être de ça que vient le problème. Investisseur. J'ai revu les plans pour déplacer l'échangeur thermique de sorte que les bobines s'enroulent autour du siphon de mise en bouteille et ça semble avoir fait l'affaire. Non seulement les joints ne fondent plus, mais ça rafraîchit la bière en la mettant en bouteille. Elle est toujours bien fraîche. Un de mes clients m'a aussi parlé d'un investisseur potentiel, Jack West, le gérant d'hôtel Rexford. Vient apparemment d'hériter et il pourrait fournir l'argent dont j'ai besoin pour lancer la production en série de l'éthylotron. Il a accepté mes termes à condition de pouvoir utiliser le prototype à l'hôtel pendant un mois pour en faire un peu de promotion. Recette. Monsieur West a rencontré un petit problème parce que l'hôtel est tenu par un contrat de ne servir que de la bière Gwinnett. Gwinnett, je sais pas. Ce qui veut dire que je ne peux pas utiliser mes recettes. Heureusement qu'un copain à moi connaît un type qui a décrypté le code de leur holoband de brassage. Un copain à moi connaît que... Ce qui nous a permis de mettre ce code dans les sous-programmes en attendant. Il faut pas que les responsables juridiques de Gwinnett les découvrent, mais j'espère que c'est juste une mesure temporaire en attendant qu'on lance notre production et qu'on trouve un terrain d'entente avec eux. Visage. West commence vraiment à me taper sur le système, ça a commencé par le coût des recettes et maintenant il dit que l'éthylotron manque de personnalité et puis quoi encore, je lui ai dit qu'à cause de la cuve de brassage il n'avait pas la place pour mettre le servomoteur qu'il faudrait pour simuler un visage. Et ce crétin m'a demandé de mettre des jauges à l'avant pour faire les yeux. Je crois que je vais le livrer tel quel au théâtre pendant l'entracte vendredi et qu'il se débrouillera. Livraison. Ça pourrait être compliqué de le faire aller au Rexford. Son corps est assez résistant pour supporter un accident, même s'il se faisait renverser par un camion. Mais les servomoteurs de jambes de protecton sont vraiment trop lents. Il faudrait peut-être mieux de louer un camion. Je vais planquer le mot de passe au démarrage au sous-sol en attendant de résoudre les problèmes de livraison. Donc je peux cheater en utilisant un mot de passe. Bah. Y'a quoi là-dedans? Des deux bières. Non, on va pas cheater. Manquerait plus que ça. Alors, survived. Non, c'est pas ça du tout. Comme ça, ça a le mérite d'être clair, ça commence très très bien. Ici, j'en vois un. Moins correct, supprimé. Bah oui, mais ça va, si tu me supprimes ceux que j'ai utilisé, c'est naze. Hop, moins correct, supprimé. Ok. Ok. Non, rien du tout. Rien non plus. Là, si, quelque chose. Hop. Moins correct, supprimé. Là, j'en vois un. Moins correct, supprimé. J'en vois un. Moins correct, supprimé. Bon, il ne reste plus que ça. Learning. Ça pourrait être ça. Mais ça finit pas par ING. C'est pas imposing. C'est pas striking. Chambers. Ça y est. Voilà. Commande de protection. Hop, activer unité.
Tout le personnel pour lui prendre jardin, on va s'éloigner. Hop, on y va. Début de la séquence de démarrage. Matériel inconnu détecté. BIOS auxiliaire détecté. Flash des sous-programmes opérationnels. Éléments de microbrassage opérationnel. Mécanisme interne de mise en bouteille opérationnel. Dispositif de service opérationnel. Détection des sous-programmes de brassage holobande de recette. T'es discret comme bonhomme, toi. Détecté. Séquence de démarrage terminée. Service d'un échantillon. Approbation technique. Comment décririez-vous l'échantillon test fourni? Attends. Je bois pas de bière habituellement, hein. Mais bon. Ça doit être celle-ci. Hop. Rafraîchissant. Des haltères. Si tu savais depuis combien de temps j'avais pas bu de bière bien fraîche. Très bien. Il semble que je sois opérationnel à un niveau optimal. Ouais. Devons-nous effectuer la livraison à l'hôtel Rexford? Je te garde. Changement de programme. J'ai décidé de te garder. Compris. Souhaitez-vous définir le paramètre base maintenant? Ouais. Base? Qu'est-ce que tu veux dire par base? L'endroit par défaut d'où je procède. La base peut être modifiée dès que je suis en fonctionnement. Souhaitez-vous définir le paramètre base maintenant? C'est bon pour moi. D'accord. Très bien. Veuillez. Tu vas à Sanctuary. Hop, tu restes à la maison. Bien dit. Paramètre base accepté. Début du transit. Bonne route. Ok. Je peux l'envoyer maintenant à... Tiens, je t'ai trouvé une recette. Oh. Salut, mon pote. Vous voulez vous humecter le gosier ou vous rire un bon coup? J'ai vendu d'autres recettes. Tu sais où je peux trouver d'autres recettes? Je vous conseille de... vous voulez une bière bien fraîche? Il est un peu limité quand même. Hein. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que je... Ah. D'accord, il y avait un passage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au Rex et on va lui dire, bah non, en fait, malheureusement, il se trouve... Malheureusement, il se trouve que j'ai eu tendance à casser l'objet en question. Malheureusement, j'ai voulu le mettre dans mon sac et il a pas tenu dedans et du coup je l'ai forcé et je l'ai cassé. C'est vrai qu'il était un peu gros, c'était un protectron, mon sac était un petit peu plus petit. La poche que j'ai sur ma capuche que j'ai faite en début de l'épisode précédent n'était pas assez grande. Du coup j'ai forcé et ça l'a cassé. La poche a tenu, hein, mais... Alors. Allons voir au Rex. Bonjour. Waouh, et la texture là? Oh, la texture est horriblement laide. C'est une porte plate. C'est laid. C'est laid. C'est laid. Je peux pas dire mieux que ça. C'est absolument laid. Yo. Épargnez-moi le mélodrame, d'accord? C'est un autre. Ok. C'est pas avec toi que j'ai envie d'en parler. Salut Rufus. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez? Non, c'est... Ah non, celui qui fait la drogue. Je sais plus qui c'est qui m'avait filé la quête. Je fais le ménage, moi, c'est tout. Alors normalement j'ai supprimé cet effet là de bleu, mais apparemment c'est pas le cas. Porte ouvrir. Ah oui. Pas un bonhomme là qui dort. Hey. Trop bien, une nouvelle tête. J'ai du jet. C'est pas lui. C'est du bon. Ah, voilà une tête que j'aime bien. Je me rappelle plus que c'est qui m'avait offert la quête, merde. Qui m'avait donné cette foutue quête?
Merde. Si vous avez des problèmes, ça regarde que vous. Faites gaffe. Est-ce que c'était un des mecs en bas? Je ne me rappelle plus. Merde! Putain, c'est con ça. Passez un bon moment. Merci. Non. What? Vous sentez ça? C'est bien fringué, toi. Le parfum de la liberté. Ouais. Mon client était ravi que vous ayez réglé son... C'est pas eux? Salut. C'est pas lui. Ah, je me rappelle plus du tout. Oulala, c'est rare ça. Qui était-ce? Merde, j'ai oublié. Ben un instant, je vais aller voir. Heureux, chers amis. Alors c'était Rufus apparemment. Non merde, c'est pas le bon endroit. Ah, fait chier. Ellipse. Re, chers amis. Alors, il semblerait que ce soit Rufus. Donc, Rufus, je t'ai vu tout à l'heure. Où es-tu? Ah, oh, c'est chiant cet effet bleu. Rufus, tu es là. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais. Est-ce que vous avez... Vendez. Ça marche. Ah non, c'est pas ça que je voulais, moi. Aimant haute intensité. Ouh. Il vend quelques armes. Le rouleau à pâtisserie, je vais te le prendre. Le lance napalm. Je te le prends aussi. Et je vais te vendre ma saloperie à moi. Je te vends ça. Hop, les mines, je les vends. La queue de billard, je la garde. Là-dedans, j'ai rien à vendre. Là, je peux vendre un bol de nouilles. Ça. Non, le sang irradié, je vais te le récupérer, mon pote. Des fois que ça vaille quelque chose. Ok. J'ai encore autant de place de prise sur moi, enfin autant de... Bon, c'est pas grave, je lui donne que 50 pièces. Hop. Can you? J'ai besoin de toi. Porte mes saloperies. Ça, ça a l'air sympa, ça, utiliser ça. Je le sens bien, ce truc-là. Mais écoutez, il en a rien à foutre, apparemment. Donc je vais le garder pour moi, mais je vais l'envoyer quand même malgré tout au Rex. Je pense qu'en fait ça l'a validé comme étant Ah oui, c'est vrai, il est encore en train de se balader. On va aller à Sanctuary, on va aller voir les différentes armes qu'on a pu choper, est-ce qu'on peut améliorer dessus en fait. Et on verra bien ce que ça va donner. Hop. Alors j'aime pas les armes comme ça, les armes minces de fortune. Mais je reconnais que celle-ci est stylée. C'est un piston à air comprimé en fait qui propulse la balle. Enfin, c'est un tube à air comprimé qui propulse la balle. Pourquoi pas? Alors, ça c'est l'arme de fortune, il va falloir que je la déplace. J'avais mise là pour la forme. Tiens, mais si je peux pas la mettre là? Je vais essayer de me rendre utile. Personne n'a envie de voir un type s'accrocher son sort. Alors. Apparemment, j'aurais bien donné les armes à Kanigou et je les ai pas récupérées, oui. Hop, je stocke tout ça. Kanigou. Attention. Viens là. Venez ici. Il a peur. Hop. Au niveau des armes que tu portes, donne-moi tout. Hop, fabriqué. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Alors déjà, ça là. Hop, tu dégages. Il me manque tellement.
Rouleau à pâtisserie. Alors, je vais le faire en bois ou en aluminium. Ouh. Affûté. Ouh là. À pointe. Ok. Alors, c'est naze. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux vous parler? Excusez-moi. Je préfère barbelé. Affûté. Avec une lame au bout. Carrément. Alors, c'est marrant. Mais le décalage qu'il y a sur l'arme est horrible. Alors, j'aimerais vérifier. Non, non, c'est très très bien là. Là, ça fait lisse. Ok, donc c'est juste l'arme qui est buggée légèrement au niveau de son. Le lance-napalm. Réservoir à napalm. Réservoir standard. Réservoir à napalm. D'accord, ça change carrément l'arme en elle-même. Pourquoi pas. Canon standard. Canon long. Allonge améliorée. Ça évite de te brûler, c'est cool. On le met. D'accord, donc en fait, si j'en mets un maximum, j'ai par contre une capacité... Partez médiocre. D'accord. Pourquoi pas. Ça, faudra qu'on l'améliore. Hein. Comme ça, par exemple. Hop. Canon long. Crosse complète. Viseur sans bouche. Jusque là, il est pas trop mal. Alors comment je l'avais appelé l'ancien? Double tap. On va l'appeler plutôt double tap. Enfin, ouais, double tap. Tap. Plutôt. Ouais, plutonium. Voilà. Alors celui-là fait 109,50. Celui-là fait 93. Bon, c'est quand même pas rien. Du coup, double tap, je te dis au revoir. Le fusil pulseur, je le garde. Le junk jet, qu'est-ce que je peux améliorer? Canon court. Canon long, ouais. Crosse standard. Crosse à compensateur de recul, d'accord. Viseur standard, viseur d'artilleur. Sans bouche. Bouche d'électrification. Ouf. Cette arme qui était déjà pas craquée dès le départ. Hop. Canon long, canon automatique, canon précision, canon court amélioré. En automatique, ça pourrait être sympa comme arme. Faudra que je revoie ça. Le lance-missile, canon standard, triple canon, quadruple canon, oui, je m'en rappelle de ça. On l'avait déjà vu. Le cul de billard qui est pas terrible au final. Par contre, la machette est pas mal. Par contre, la cul de billard, oui, avait une grande portée, c'était con, j'aurais peut-être pas dû la détruire. Le lance-napalm, El Diablo. C'est El Diablo. Hop. L'épée d'officier chinois. Hop. Je peux pas la modifier? Ah si, voilà. Le sabre. Comment? Sable rail, voilà. Bon. De ce côté-là, c'est bon. Vous savez quoi? Tu vas te calmer. Je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. Hop, on va remettre des armes quand même là-dedans. El Diablo, je le pose. Junk Jet, je le pose. Lance-missile, je le garde. Maintenant que je l'ai utilisé, je le garde. Sabre Rail, je le garde. Celui-là aussi. Hop. L'autorité des justes, il pourrait être cool. Il faudrait que j'améliore. Pistolet lance-fusée, j'utilise pas, mais il faudra qu'on l'utilise. Pour l'avenir. Ok, bon. On s'en sort pas trop mal. Alors, où est-ce qu'il est, le truc? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, attendez, on va aller dormir un coup, on va bien voir.
Hop. Il est 2h d'après-midi, on va mettre... Hop, voilà, on va dormir un coup. Hop. Encore 10 heures à attendre, ils ont toujours pas pensé à enlever ce truc là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai boire un coup moi. Il y a deux épisodes que je tourne, ça fait plus d'une heure et demie. Enfin, plus d'une heure, en tout cas. Vous ressentez les bienfaits, cool. Au moins il ne pleut pas. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Ah oh, putain, toujours pas. Hein. Eh ben on va redormir 24 heures, c'est pas grave, ellipse. Hop. Et hop. J'ai dit hop. Heureux, chers amis, donc. Alors. Il y a elle qui est arrivée, j'imagine que c'est l'ordure. Ah, pareil qu'elle me reparlera pas. J'ai déjà payé. Falloir qu'on arrange ce problème. Alors tirez-vous. Putain, il fait qu'arriver. Il fait qu'arriver. Putain, regardez-le. Excellent. Excellent. Pin, 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 pin. Ah, il fait demi-tour. Ça lui plaît plus. Il veut plus venir. Il veut plus rester là. Le pauvre. Alors, est-ce qu'on a de la bouffe à faire? Non, parce que... Ah, si, on a de l'eau purifiée. Cool. Et un bol de nouilles. Génial. Hop. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais changer de lunettes. Le mec qui change de sujet complètement. Oui, vas-y. Crève, 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 crève. Voilà. Il vient de cracher un poumon, le garçon. J'avoue que c'est pas si mal ici. C'est un trou paumé, mais ça pourrait être pire. Hop. On avait celle-là, celle-là. Ok. On peut pas les améliorer, les lunettes, c'est pas grave. Hop, et on va les mettre. Ça, le temps qu'il arrive, nous, ça nous fait avancer. Normalement. Voilà. Oh, c'est pas top. Je m'attendais à beaucoup mieux, à vrai dire. Hop. Est-ce qu'on pourrait se mettre un masque? Ça, ce serait carrément flippant. Quoi? Un classique. Normalement, il passe. Ouais. Mais c'est laid. C'est atrocement laid. Hop. Vous pouvez pas dire que je suis pas stylé, mais je vais enlever le truc parce que là ça me... Non. Je vais le jeter même. Hop, dégage. Bla, caca. Bon alors. Où il est lui? Dis-moi. Ah, il a pas bougé hein. Ou presque. Ah si, il approche, il a fait 30 mètres. On va attendre un petit peu, hein, c'est pas grave. J'attends qu'il rentre. C'est une fois qu'il sera à la base, je vais le renvoyer. Hop, une heure. Est-ce qu'il a pris le temps d'arriver, le garçon? Oui! Oui, il est arrivé! Je sais pas ce qu'il fout là-bas, mais il est arrivé. Born in the USA. Hey, tu sais quoi? Je t'ai vendu. Je t'ai vendu à Rufus Rubins, à Good Neighbor. Compris. Les vrais os. Ah non! Ah non! Oh non, 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 non. Ah non, je te vends pas, moi je te garde! Wow! On respecte un petit peu. Je ne te vendrai pas. Laisse tomber. Non, non, non. Je pouvais te renvoyer maintenant, mais. Mais non, je vais pas te renvoyer. Je te garde. Tu m'appartiens, tu es ma propriété. Hop! Ok, bon. Détective en péril, c'était où? C'était juste à côté normalement.
Ah, je me trompe à chaque fois. Eh, j'avoue, ça, j'ai des gants, là, mais... Faudra que j'aille voir un truc, après. Hop. Apparemment, je me suis pas dirigé dans le bon endroit. Bon, amphithéâtre Charles View. C'est là où il y avait les malades mentaux, là. Ceux qui faisaient partie de l'élite de Boston. Oh la sale bête. Sa texture est assez moche, mais il rend très très bien dans le jeu. Il fout vraiment les boules. Sa façon de se mouvoir. Par exemple. Même si la dernière fois, alors oui, enfin bon. Il y a peut-être un truc qui est un petit peu casse-couille, c'est que faut un millier de balles pour tuer n'importe quel ennemi. Si tant est que t'as pas mis de bonus de dégâts dans tes arbres de talent. Ça, je trouve pas ça tip top, mais bon. Ah, attendez. On a piratage de terminal maître. On a piratage de terminal maître. On l'a, ce truc-là. Ça, c'est la bibliothèque. Bibliothèque. Hardware Town, non, c'est pas ça. Moi, je veux aller à ArcJet. On a un truc à voir à ArcJet, chers amis. Là. Voilà. Hop. Direction ArcJet System. Oh, elle est stylée et ouverte comme ça. On peut la voir de près en plus, c'est génial. Ouais, non, c'est pas mal. Impossible à porter par une femme, par contre. Hein. Regardez. C'est marrant, la dernière fois que je suis venu, il pleuvait aussi. Et il faisait un temps de chiottes. Aussi. Ok. What? T'es resté là? Allez faire votre rapport au commissariat. Je vous rejoins bientôt. Je n'ai pas encore fini de quadriller la zone. Ok, c'est cool. On a rien à foutre. Tu viens le chien? Tant pis. Kenny a trouvé quelque chose, dommage. Hop. Vous allez vous faire attaquer. Non, même pas. Cool. Bon. Allons faire ce que je voulais faire depuis le début. Crac. Crac. Ah ah! Il y a une main en fait. Il y a les mains d'un esthétique. Bon, c'est pas grave. Expert. Voilà! Là, il veut bien. Température. Note sur le propulseur XMB. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de retravailler sur le secteur privé. Les contrats avec l'armée ne sont qu'une insupportable succession de promesses non tenues, de budgets amputés et de délais intenables. Je n'en pouvais plus. Le projet de surpropulseur XMB me permet enfin d'élargir mes horizons et de participer à la réalisation d'un vieux rêve, envoyer des hommes sur Mars. Thomas a l'air de partager ma vision. Avec ses financements et mes connaissances, je suis certain que nous parviendrons à livrer un appareil irréprochable à l'USA. À l'USSA. Surpropulseur XMB, donc janvier, février, mars 2076. J'ai dû annoncer une mauvaise nouvelle à Thomas aujourd'hui, le surpropulseur est trop lourd pour respecter le cahier des charges de l'SSA et il nous faudra plus de temps que prévu pour régler le problème. Je ne l'avais jamais vu se mettre en colère comme ça, sa réaction m'a rappelé certains des généraux avec lesquels j'ai travaillé dans le passé. Il a hurlé pendant quelques minutes, puis quand il s'est rendu compte que personne ne pouvait plus rien y faire, il s'est calmé et nous avons cherché des solutions. Ce problème de poids devrait retarder la livraison de 3 à 6 mois, peut-être moins si nous avons de la chance, mais si c'est plus, quelque chose me dit que je pourrais chercher un nouveau poste ailleurs. 11/76, donc novembre 76. Grâce aux suggestions de mon équipe et à quelques nuits blanches, j'ai réussi à ramener le poids final du surpropulseur XMB à 7 kg sous la limite imposée par le cahier des charges de l'USSA. Thomas était fou de joie quand je lui ai annoncé la nouvelle et l'équipe m'a invité à boire un verre pour fêter ça. C'est pour des moments comme celui-là que j'ai décidé de consacrer chaque minute de mon existence à la recherche scientifique. Ok. Février 2077. Nous devions tenir une conférence de presse sur lui, mais Thomas l'a annulé sans explication à peine quelques heures avant. Pourquoi ce soudain revirement? Personnellement, je suis convaincu que le propulseur XMB est parfaitement prêt pour un test de mise à feu. J'ai échangé quelques mots avec Sam Brent, notre chef de la sécurité, qui m'a dit avoir conseillé de repousser l'événement à une raison d'une faille de sécurité non confirmée.
Je dois avouer que cette journée a été particulièrement étrange et quelque chose me dit que Brent me cache quelque chose. Note sur le propulseur, donc octobre. Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai découvert aujourd'hui. Alors que je passais en revue tous les enregistrements vidéo des récents tests de mise à feu de XMB, je suis tombé sur l'essai préliminaire de combustion de carbone de février. Sur l'une des caméras, j'ai cru percevoir une silhouette d'un homme en train de courir dans le réacteur juste avant la mise à feu du surpropulseur. Je suis allé voir Thomas immédiatement et j'ai jeté la bande sous son bureau. Il y a jeté un coup d'œil rapide avant de me raconter l'histoire de ce pauvre homme brûlé vif et comment il a demandé à Brent de couvrir l'accident. Je n'en croyais pas mes oreilles quand je lui ai dit que j'allais le prévenir. Oh, c'est passé un truc. Ok. Commande du coffre-fort. Hop. What? C'était juste pour ce coffre-là? Attends. Je l'avais déjà fouillé le coffre, je crois. Re-XP ? Ça y est. What ? Vous êtes pas sérieux ? Vous avez pas mis un glitch pareil dans le... Oh. Pas re-XP, c'est pas possible. Génial. Re-XP. Bon, c'est génial. Par contre, moi, je voulais péter le truc. Est-ce que je me suis bien fait compris? C'est peut-être là-bas. Hein. Raté. Dommage. Descente. Allez, dépêche. Parfait, on y va, on remonte. Montez. Kanigou. Non, apparemment Kanigou ça ne l'intéresse plus. Il m'a vu tomber, il s'est dit non. Non, maintenant tu te démerdes. Ça doit être là-bas plutôt, non? Bah, excuse-moi si t'es con, hein, Kanigou. Ah merde! J'aurais dû faire une sauvegarde rapide, j'ai été con. Descente. Ouais, j'ai bien compris que tu montais, que tu descendais pour t'amuser. Hop, on remonte. On va y arriver, chers amis, ne vous inquiétez pas. Il y avait moyen, normalement, d'après le PC, de réallumer le truc. Je veux réallumer ce truc. Là, c'est pas au 3 qu'il faut qu'on aille, nous. Et c'est pas là non plus. C'est plus là-bas, je pense. Ah, oh, j'ai encore chié dans la colle. Je crois. Je crois que j'ai encore chié dans la colle. Merde. Ah, je vais pas y arriver. C'est casse-couille. On rappelle. Comment on fait? Je pense que c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Parce que vous voyez, il y a le truc d'allumage. Juste là. Ce qui va amorcer en fait la mèche. Parce que c'est-à-dire qu'en fait le réacteur ne produit pas la flamme d'allumage. Si je puis parler comme ça. Alors, on y retourne. Ce serait ici. Hop. Bah non. Wow. Et jeu là. Oh putain, t'es sérieux là?
Voilà. Le jeu, il m'a bien dit que sous un étage inférieur, on pouvait relancer le truc. Lancer le tir d'essai. Regardez. Veuillez contacter le superviseur d'installation. Une activation manuelle est encore possible à partir du bureau des installations situé au niveau inférieur. Un instant. Heureux, chers amis. Alors, plusieurs choses, parce que ça m'a spoilé, forcément. Apparemment, on a quelque chose par là à chercher. Enfin, ça m'a pas spoilé vraiment sur ce qu'on avait cherché, mais sur plutôt ce qu'on... Comment dire... Les endroits, les lieux, en fait, où on pourrait trouver des choses. Les lieux où on pourrait trouver des choses, on va dire ça comme ça. Alors, apparemment, il y avait quelque chose par là. Au niveau d'une boîte rouge, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je serais plutôt content que ce soit pas le cas, en fait. Comme ça, ça me spoile pas. Parfait, bah si ça me le trouve pas, c'est tant mieux. Les capsules, par contre, ça c'est cool. Ça, faut que je les prenne. Hop. Un pistolet laser, ok. Bon. Oula. Mais c'est qu'on a failli faire une connerie. Donc là, on y a été. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Ok, on y est. On passe par là. On va par là. On va là. Grande boîte à outils. Et par là, normalement, il devait y avoir quelque chose, un bouquin ou un truc comme ça. Je présume. Je pense que j'ai dû la voir. Et donc, en appuyant sur le bouton rouge... On va pouvoir trouver un gros bouton rouge par là, en fait, apparemment. Ah oui. Alerte. Carburant épuisé. Réacteur désactivé. Ok. Terminal d'installation peut-être. Ok. Ça m'aide vraiment pas. Y'a rien là. Bon bah je vais refaire une recherche. Heureux chers amis. Bon bah écoutez, après 20-25 minutes de recherche. Soit je l'ai déjà fait et en fait c'est le truc en haut qui bug. Ce qui serait possible apparemment. Soit donc c'est donc ce truc là à l'intérieur qui bug. Donc le truc là, le poste qui devrait m'indiquer normalement que c'est déjà été fait et qu'on peut pas le refaire. Soit je sais pas. Donc si vous savez, vous chers amis, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Malheureusement. Je pense que j'ai juste perdu beaucoup de temps. C'est vraiment dommage. Et il fait nuit, c'est génial. Non, pas cette touche là. On devait aller ici, donc on va aller à l'amphithéâtre, comme prévu. Hop. C'est marrant, j'ai pas l'impression que ce soit exactement le même. L'autre avait un truc plus orange. Je crois un canon un peu plus orange. Étrange, étrange. Enfin bon. Voilà, grosse déception pour moi, chers amis, autant que pour vous, j'imagine. Mais bon, on va faire avec. Alors. Et en plus, un chargement qui est méga long, génial. Bon, alors, tu te dépêches ou pas? Ça y est, il faudra aller un gros coup. Et les choses passent mieux. On y va. Qu'est-ce que j'ai comme arme sur moi? Parfait. Oh, cette rue me dit vaguement quelque chose. Non, je me trompe.
Je me trompe. Établi d'armes, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles armes? Hop, rien du tout, il me semble. Ok. Ok, l'interface ralentit un petit peu en plus, voilà autre chose. Atelier de chimie, qu'est-ce qu'on a? Rien. Hop. Ouais, c'est bizarre là. Coffre à outils, génial. Ça par contre c'est cool. Ok. Ah oui, la fameuse grand place. Sur laquelle je ne voulais pas aller tout de suite. Eh ben écoutez, on est parti. Stay back. Quel est cet endroit? D'accord. Et une arme. Oh la vache. Les rats que je me suis bouffé. What? C'est quoi ça? Swan. What? What the fuck? Ok. Vous savez quoi? Critique. Ok. Aïe. What? Raté. On va avoir des emmerdes. Oh putain, je le sens mal celui-là. Et il se protège. Aïe. Aïe. Et il m'a tué. Ok. C'était joyeux. Voici venu le temps des rires et des chants. Sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Je suis dans la merde, je vais me faire défoncer. On va pas se mettre comme ça. Wow! Comment tu te déplaces aussi vite? What? What? Comment je vais faire? Aïe. Normalement ça devrait le geler. Parfait. Ah non. Pas du tout. Je peux pas venir, mais non. Je peux pas venir dans la maison, je me prends des rats à chier, je vais crever connement. Ah, cette zone est bien faite. Ok, bouffe. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Bol de nouilles, j'en avais un, génial. Oh
Oh, genre. T'es moche. Aïe! Headshot. C'est lui qui me l'a mis, tu me diras, mais... Ok! Je l'ai pas touché. Ok, on va passer à un truc un peu plus balèze, alors. Vu qu'il est bloqué là-bas. Hop là! Je crois que ça lui a pas fait de dégâts. Je crois que tant qu'il se couvre, ça lui fera pas de dégâts. Derrière. Boum ! Touché ! Reste sur place. Qui vise bien en plus le sac. C'est quoi ce machin ? Aïe ! Bon, il me fait chier. Wouh! Je l'ai complètement glitché, mais c'est pas grave. What the fuck? Fury, point assisté. What? What? C'est quoi ce machin? C'est quoi cette bestiole? Je te mets en 8. Je vais me battre un petit peu au corps à corps parce que là il faudra voir que je me venge. Il faudra que je me venge de ce jeu qui m'a fait beaucoup de mal psychologiquement là. Allez, saute. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un coffre. De la morora. De la drogue. Des cachettes. Bon, c'est bon, ça suffira. On a pris suffisamment cher. Maintenant, on va se prendre deux Steam Packs. Enfin, non. Peut-être pas deux Steam Packs, mais deux Radaway au moins. Et si, deux Steam Packs. C'est génial. C'est absolument génial. Et je me prends des Rads. Pour le plaisir. Personne qui veut se la mettre? Ah, la mort, c'est par ici. Ouais. Oh bah, c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode maintenant qu'on est devant le métro. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et toi.